Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors c'est le filet dorade avec sa petite sauce, les légumes sautés et avec un peu de riz. Alors on va avoir besoin de dorade que je vais découper en filets après. Pour les légumes sautés, on va avoir besoin de chou-fleur, de brocoli, carottes, champignons, aubergines. Courgettes, les poivrons, un oignon rouge et de l'ail. Alors, pour la petite sauce poisson, la sauce vierge, je vais avoir besoin de tomates cerises, de l'huile d'olive, du basilic frais, de l'échalote, du citron, ciboulette. Alors là, je vais enlever les écailles de mon poisson. Là, je vais rincer mon poisson. Enfin, je vais faire des filets de dorade. Du coup. Vous pouvez les acheter comme ça, qui sont déjà au filet. Ça, on va laisser de côté. Je vais m'occuper des légumes.
voir, bon, j'ai pas tout fait, hein, parce que sinon ça va faire beaucoup. Après, c'est vraiment selon la quantité que vous allez utiliser. La petite sauce qui va accompagner mon poisson. Alors pour la sauce, on va prendre de l'échalote. C'est une petite sauce toute simple, c'est une sauce vierge pour vos poissons. Le jus de citron. Mélange bien. Je vais rajouter fleur de sel. Tout pincer. Du poivre. Mélange bien. Voilà la petite sauce. Je vais la mettre au frais en attendant. Alors là, tout est prêt. On va passer à la cuisson des légumes. Le poisson, je vais le faire en dernier parce que ça cuit super vite. Et je vais l'accompagner avec un peu de riz. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Là, bon, je commence. À frire mes légumes, je vais faire cuire mon riz à la vapeur, au cuiseur. Je vais le laver trois fois, je vais mettre un peu de sel et un peu de beurre. Un filet d'huile d'olive avec mon ail.
Alors, je vais rajouter un peu de thym. Là, je vais rajouter les carottes et les oignons. Et les poivrons aussi. Je vais rajouter les courgettes, les aubergines, les choux-fleurs et les brocolis. Je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau. Là, je vais mettre un peu de sel. Je vais rajouter les champignons. Je vais rajouter du poivre. De la sauce soja. De la sauce gnocchi, bon, mes légumes j'aime bien quand ils sont croquants, du coup là je vais laisser encore quelques minutes et après c'est bon. Mes légumes ils sont en fin de cuisson. Je vais faire cuire mon poisson. Mon riz est déjà prêt, du coup c'est la dernière étape. De l'huile d'olive. Mon papier de cuisson. Là, je vais saler mon poisson. Et là, je vais le faire cuire. Toujours là, le côté peau avant. Là, côté peau, j'ai laissé 3 minutes. Et là, côté chair, j'ai laissé à peu près 1 à 2 minutes. Pas plus. Là, je vais juste mettre quelques citrons pour les griller un petit peu pour la déco.
fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo. Et si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésite surtout pas à t'abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.